Salut, salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais on s'en fout. Vous revient pour vous parler de juste la base de l'univers, à mon avis, là, depuis que j'ai découvert ça. Donc, vous vous demandez sûrement ce que je tiens dans ma main. Donc, ceci, c'est de l'aloe vera. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est juste un bout de plante, genre. C'est comme ça, un peu gélatineux à l'intérieur et c'est ouvert et il y a des petits bouts piquants ici, là, comme vous pouvez le voir. Donc c'est apparemment ça vient de la même famille que les cactus, donc c'est pour ça que ça a cet aspect un peu cactusier. Je sais pas si ça se dit, on s'en fout. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que, en fait, je cherchais un moyen d'utiliser un nouveau gel. En fait, je voulais un gel. Voilà, je vous ai expliqué, je voulais du gel. Sauf que j'en avais marre de tous les produits chimiques de merde qu'on achète partout et qui nous niquent la santé et la peau. Et les cheveux aussi de surcroît. D'où je me suis tournée vers la nature. Parce que la nature fait ce qu'il y a de mieux. Et on ne profite pas assez des bienfaits de la nature. Je devais aller chez une cliente et j'ai trouvé en fait une boutique à Montrouge qui s'appelle Les Nouveaux Robinson. Donc je vous donne l'adresse, hein, c'est 5 rue Théophile Gautier, à Montrouge. Et donc voilà, je vous montre, donc vous avez la petite étiquette là. Donc moi j'ai acheté tout ça et en fait il y avait encore un petit bout en plus parce que j'en ai utilisé. Et j'ai payé 2,45€ donc pour tout ça, ce qui va me faire une utilisation, genre je pense j'en aurai encore pour longtemps. Et en fait c'est 3,99€ le kilo, donc franchement ça fait même pas un kilo et il y en a vraiment beaucoup. En gros ici c'est vraiment gélatineux quoi, gélatineux, vous voyez ce que ça fait. Genre voilà, c'est vraiment gluant. C'est un très bon gel, donc ce qui veut dire que pour les babies hair et tout, là je l'ai pas fait tout tranquille. J'ai vécu ma vie aujourd'hui, je n'ai pas voulu en mettre, mais c'est super bon pour l'utiliser comme gel. J'avais acheté chez Aromazone le petit gel d'aloe vera. Et j'avais vraiment, 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 vraiment surkiffé. Donc vraiment, il était bien. Sauf que j'avais un échantillon comme ça qui m'avait coûté peut-être, 3 ou 4€. Et là, j'ai eu un bout d'arbre pour 2,45€. Je vais vous montrer la version. Vous voyez, ça dégouline et tout. Comme je vous dis, c'est super gras. Ça a un aspect dégueulasse quand ça sèche. Donc franchement, vous ne laissez pas, influencé par l'aspect qui est pas super ragoûtant. Hein, dites-vous juste que comme c'est 100% naturel, vous aurez aucun problème. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous sentez vraiment la douceur de vos cheveux, genre. Vos cheveux sont doux comme jamais. Et en fait, vous pouvez l'utiliser aussi pour la peau, donc vous en tartinez partout, aucun souci. Si vous avez des petites blessures après l'épilation, si vous êtes coupé avec votre rasoir ou quoi, vous en mettez, ça passe crème. Sous les aisselles aussi, ça passe crème. Vous pouvez aussi le manger, donc c'est un peu, enfin voilà, la vendeuse quand j'y suis allée, elle pensait que c'était pour le manger, donc vous pouvez tout à fait manger la pulpe à l'intérieur, genre c'est tout à fait comestible. C'est aussi très bon pour les ongles, c'est à dire que si vous avez du psoriasis, hein, au cas où, genre ça marche très bien, ça aide à durcir l'ongle, ça vous remet les ongles plus ou moins bien si vous l'utilisez régulièrement. Pour ce qui est des cheveux, moi je l'utilise, là du coup c'est rentré dans ma routine, franchement ça aide de ouf à définir les boucles. Donc là je vais vous faire un petit genre tuto express, hein. Je vais prendre une mèche ici. Donc là vous voyez ma mèche, donc elle n'est pas du tout définie, il n'y a rien, il n'y a pas de structure, pas de base, que dalle, il y a walou. Donc je vais prendre un peu de mon aloe vera que j'avais déjà utilisé. Donc là il est un peu ouvert parce que du coup j'ai pris toute la pulpe à l'intérieur, mais je vais venir passer ça comme ça. Voilà, vous pouvez le voir. Donc là je la répartis bien partout. Déjà, vous voyez, là, sans mentir, hein, là en live, hein, sans mentir, l'aloe vera, je ne veux plus rien entendre. Je ne veux rien entendre. Donc, regardez juste la définition de mes cheveux. Genre, maintenant, quand j'ai mis juste de l'aloe vera, je n'ai aucun produit autre dans les cheveux. Parce qu'aujourd'hui, j'avais la flemme, il fait super chaud, donc j'ai rien fait. Mais voilà. Donc là, maintenant, je vais tenter de faire une petite vanille. Soyons fous, soyons frais.
En fait, là, j'utilise vraiment l'aloe vera brut. Mais vous pouvez tout à fait prendre toute la pulpe qui est à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, tout mixer, mettre ça dans un pot et vous ne vous cassez pas la tête, genre. Vraiment. Au niveau de la conservation, il faut surtout... la vendeuse m'a dit de le mettre dans un papier journal à température ambiante. Mais moi, je trouve qu'il s'en sort mieux dans le frigo. Donc, avec cette chaleur de ouf, il risque de sécher. Et vous allez perdre toute la pulpe à l'intérieur. Donc, vous aurez gâché votre produit. Donc, mettez-le au frigo, genre, vraiment... Là, oh yeah bitch, oh là là, regardez-moi ça, là franchement vous pouvez rien dire, vous pouvez pas blaguer, vous pouvez pas me dire ouais vas-y t'es mytho, parce que là ça c'est du direct, ma gueule. Ça se passe sans effets spéciaux, vous voyez. Franchement, la texture de mes cheveux, ils sont vraiment doux, c'est pas gras, vous sentez l'hydratation mais c'est pas gras. Donc là je vais défaire juste pour qu'on voit en fait ce que ça donne. Donc so cute. Donc voilà, là franchement, bah voilà, c'était une toute petite, c'était vraiment un essai, mais c'est pour vous montrer que franchement, l'aloe vera là, c'est devenu un basique de ma vie. Genre déjà, j'adorais les boissons à l'aloe vera, genre vous en trouvez partout, il y a des petits morceaux d'aloe vera dedans, j'adorais ça, mais là depuis j'ai découvert que pour les cheveux c'était aussi genre on point, mon dieu, so cute. Donc si vous cherchez quelque chose pour vous définir les cheveux, Big Brother Aloe Vera est là quoi. Vraiment, franchement, ça va me durer mais super longtemps. Genre je sais même pas comment je vais faire. Bon, du coup je vous retrouve avec Oriane, parce que comme je suis pas une mytho, je vais vous montrer que ça marche aussi sur tous les types de cheveux. Cette petite douceur, on va la reproduire sur ses cheveux qui sont pas démêlés. Et bah, qu'est-ce que t'as fait? Comme d'habitude. Voilà, elle n'a rien fait. Donc j'ai découpé un petit bout d'aloe vera comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc bah voilà, hein, c'est gluant et ça c'est ce qui montre que c'est frais. Fais pas des gueules de meuf dégoûtée. Alors, je vais essayer, je vais aller chez Mimi, on va discuter pour une fois et tout. Ça part toujours en coupe de cheveux. C'est pas pour me déplaire, hein, mais bon. Je te jure. Alors, je vais juste lui prendre un petit bout de cheveux, bah, comme j'ai fait pour moi, juste pour vous montrer comment on procède et comment ça marche en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il n'y a aucune hydratation. Donc, là, vous pouvez le prendre comme ça et vous pouvez directement l'appliquer de haut en bas ou de comme vous voulez en fait. Hein. Moi, je fais la meuf qui donne des tutos, mais moi, je le mets n'importe comment. Et là, vous voyez que ça pénètre bien dans le cheveu. Donc en fait, si vous sentez qu'il n'y a plus de gel sur l'aloe vera, vous piquez comme ça avec un couteau. C'est ouf, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Voilà, et là vous en avez tout de suite, mais grave. Ta tête de dégoût là, it's priceless. Donc voilà, j'en mets bien jusqu'aux pointes, j'en mets bien, t'inquiète, tout à l'heure tu vas kiffer. Là je vais reposer, je vais prendre ma petite brosse là, celle-là, et je vais commencer. Donc là ça va bien faire rentrer le produit qui est en fait tout à fait naturel comme vous l'êtes. Elle a acheté un arbre, un arbre. Un petit bout d'arbre. Donc déjà, vous voyez que, rapproche-toi un peu. Déjà ça fait, il y a une texture dans ses cheveux, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Tu le sens qu'il se passe quelque ouais, chose? Ouais, je le sens là. Yeah. Ah ouais. Et tu vas voir après, ça sèche plutôt bien, genre t'as pas de résidus chelous et tout. Hein. Déjà c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que vous avez vraiment pas de résidus. Donc tous les gels tout claqués de merde là qu'on paye 7 balles, c'est fini. C'est terminé. Maintenant on n'utilise que des produits naturels. Voilà, mais de toute façon en même temps on devait s'en douter que c'était dans la nature que les vrais bails ils étaient. Pourquoi aller créer des choses alors que c'est sûr quoi. Déjà vous voyez, plus j'en mets, plus les boucles elles se définissent. Donc rapproche-toi pour me déclare aux gens. Déclare. Montre ça. Excusez-moi. Pas mal. Quand je fais une vanille. Voilà, je prends bien. T'en penses? J'adore. Elle adore. En plus, ça n'a pas d'odeur. Hein. Ça, voilà, ça, déjà, ça pue pas de ouf. Donc, ouais. C'est vraiment. Vous êtes content, quoi. C'est juste naturel. Et vous êtes sûr qu'au moins, vous aurez pas d'effet secondaire étrange, genre
des cheveux cartonnés ou juste voilà une réaction que vos cheveux vous y attendiez pas du tout quoi. C'est vraiment du naturel, l'aloe vera c'est connu et reconnu déjà. Franchement, souplesse, mouvement, rien à dire. Et puis en plus ça sèche et les cheveux ils sont doux. Parce que c'est ça en fait, tes cheveux tu les sens, ils sont... Ouais. C'est un truc de ouf, non? Est-ce que je suis mytho? Non. Dis-le. C'est doux. C'est super doux. Et après, quand on va laisser sécher un peu, bon là, on va voir. Bah déjà, on voit que ça se définit. On voit un petit mouvement, genre rapproche-toi un petit peu pour que les gens y voient. Ouh, so cute. On va défaire vite fait pour voir comment ça fait. Oh, so cute. C'est so cute. Donc imaginez ça sur toute la tête une fois que vous avez envie de vous faire des petites vanilles et tout ça. Vous allez avoir des boucles qui vont être vraiment bien définies. Donc moi là je vais défaire la mienne aussi qui a eu le temps de sécher. Donc moi aussi hein, c'est un petit genre oh sister. Moi je peux pas vous dire autre chose là, la preuve, vous le voyez. Vous le voyez, genre c'est vraiment naturel. Vous mettez ça, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de résidus. Ça définit vraiment les boucles. Et franchement, c'est léger. Ouais, c'est cool. Il n'y a pas d'odeur, hein, c'est ouf. Il n'y a rien. Ouais, donc franchement, est-ce que vous préférez quoi? Genre payer 7 balles pour un truc qui va vous laisser des bouts blancs sur le crâne? La dernière fois, j'avais fait ces. Ah je lui avais collé. Première fois qu'elle me fait ça. Hein. Première fois. C'était dégueulasse. J'avais pris. C'était quoi? C'était le Cantu. Cantu Custard de merde. C'était de la merde. C'était horrible. Voilà, j'avais mis les petits baby hairs ici. Elle est partie 10 minutes dans le métro, même pas. Il y avait. Ça se décollait, genre. C'était ignoble. Mais avec ça, il n'y a pas tout ça. Vous préférez quoi? Ça, la nature ou les produits chimiques? Franchement, je vous ai donné l'adresse. Je vous le remettrai de toute façon en barre d'infos quelque part ou sur la vidéo. Vous allez voir apparaître ça. Je ne sais où, je ne sais quand. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et puis voilà, je vous laisse encore constater les effets du bail. Ça, c'est une souplesse de ouf quand même. Pas grave. Trop contente. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Je vous fais des bisous aussi. Allez, chiante. Allez, bye. À plus.